revenir au projet d'Émitien, petit de transfert dans l'eau. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit en fait? Donc c'est 3 semaines, il y a 50 masterclass, c'est ça? C'est des stages en immersion. Donc on voit le lieu déjà, c'est un lieu magnifique. Pour définir le contexte, et Oliveron en parlait très bien tout à l'heure et on reparlera, mais il y a cette île, Sacervolo, qui est juste en face de San Marco à Venise, à un jet de Vaporetto, à 5 minutes de la place Saint-Marc. C'était un asile psychiatrique. Vous comprenez, on n'a même plus besoin d'avoir le psychiatre. Pour le photographe frustré. Et on connaît bien San Clemente et il y a Sacervolo. Cette île a été acquise ou rachetée par la métropole de Venise, qui l'opère. C'est à la fois un centre de congrès, c'est un lieu d'université. Beaucoup d'universités européennes accueillent des petits groupes d'étudiants sur cette île. Il y a une église magnifique, des bâtiments étonnants. C'est un peu préservé. Il y a un côté très très monacal. Et donc les responsables de cette île nous ont approchés en disant voilà, on aimerait bien qu'il y ait un projet autour de la photo et de la transmission de la photographie qui puisse naître ici. Pour nous, c'était la situation rêvée et idéale. On est à la fois à Venise, une ville photogénique par excellence, et on comprend bien que la question de la photogénie, elle est essentielle en photographie, mais elle est essentielle aussi à tenter de contourner et de dépasser. Et à la fois, on n'est pas dans Venise même, mais on est un peu séparés, enfermés, avec des gens qui vont avoir la chance de vivre ensemble pendant 3 jours, 5 jours, avec 1 mètre ou 2 mètres de photographie. En fait, on est un peu en train de recréer une émission de télé, le loft de la photographie sans les caméras. Voilà, l'idée c'est que la production on n'a pas d'excuses, on ne vient pas avec un portfolio qu'on a pu faire créer pendant 10 ans. Là, on va sur le terrain, on ramène des choses et puis on va à l'essentiel en regardant ça, en discutant, en y retournant. Donc, essentiellement, pas essentiellement, mais en tout cas, la prise de vue fait partie du processus de chacun des stages, quelques exceptions près. Mais vraiment, j'insiste, hein, c'est fait partie du processus, c'est-à-dire que ça va passer par de la réflexion, de la discussion, de l'editing. Et l'objectif sera, voilà, pour chaque stage, en gros, de finir avec une petite série de photographies, c'est d'avoir raconté une histoire. Peut-être ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il y avait des chambres sur cette île. Donc on a la possibilité de loger. C'est la dimension la plus importante. Quand le vivre ensemble va être véritablement du 24 heures sur 24. Il y aura 3 semaines avec 50 masterclass, à peu près 10 en même temps. C'est réservé à une quinzaine de personnes, ce qui veut dire qu'il y aura 150 personnes sur l'île qui vont parler, manger, vivre photographie. Et puis cette volonté de ponctuer les semaines de grands témoins, de grands maîtres de la photographie qui viendront le soir. Et là, ça sera ouvert au public, donner une grande conférence sur la photographie. C'est Jean-Marie Guerrier, c'est Olivero Toscani, c'est Yann Arthus Bertrand qui viendront là aussi partager ce moment sur l'île. Alors là, ça va vraiment dépendre sur les 50 workshops. Il y a des stages qui vont correspondre plus à certaines sensibilités, à certains niveaux d'exigence de traitement technique. Mais l'idée, c'est quand même de s'ouvrir vraiment au plus grand nombre, puisqu'on va... On ne va pas s'attarder tant que ça sur la technique dans la majorité des stages, mais ça va être vraiment... Comme ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas vraiment de pratique photo peut quand même... Oui, tout à fait. Je trouve que c'est l'âge ouvert et on va surtout penser photo. Bien sûr, on va physiquement photographier, mais c'est surtout comprendre, parce que tout le monde... Pas, directeur artistique. Pour vous, la question de la prise de vue, elle est dépassée finalement. Banquier. Il y a beaucoup d'amateurs qui toute leur vie, ils ont essayé de faire photo et ils n'arrivent pas parce qu'ils ne pensent pas photo. Alors ils pensent qu'il soit quelque chose d'autre. Alors il y a beaucoup de gens très intéressants comme ça. Dans mes workshops, j'ai rencontré des gens qui faisaient un métier complètement différent de photographe, mais quand on les libère du complexe de la photo, du matériel, de l'être, de faire.
photos. Ça, c'est très intéressant ce qu'ils font, parce qu'ils voient tout ça d'un angle nouveau et personnel. Et je trouve que là, on va surtout, à cause aussi de la, physiquement, d'être sur une île, isolé sur une île, ça va sortir la personnalité de l'individu. Et on est là, isolé, comme des moines, un peu, non, pour deux, trois jours. Et ça peut être très intéressant, la chose.